Un menteur, c'est en ces termes que Nicolas Sarkozy a décrit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Des propos que le président français aurait adressés à Barack Obama lors d'une discussion privée en plein sommet du G20 qui vient de se dérouler à Cannes. Le président américain a renchéri en affirmant que lui aussi en avait marre de traiter avec l'actuel chef du gouvernement israélien. Manque de chance, l'échange a été suivi par des journalistes présents sur place grâce à un boîtier de traduction qui leur avait été remis. Mais selon le site Arrêt sur Image, à l'origine de ces révélations, l'appareil a été activé trop tôt, ce qui a permis d'entendre la conversation entre les deux chefs d'État. De quoi éveiller bien entendu la curiosité de tous les traducteurs qui se seraient alors dépêchés de sortir leurs propres oreillettes.